Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pas mes caméramans, donc je vais essayer de vous filmer cette vidéo pour que vous puissiez voir la totalité du plat. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un tagine poulet fermier. Donc tout d'abord, nous allons verser l'huile d'olive dans votre tagine. Ensuite, les différentes épices. Nous allons mettre les oignons, la tomate que vous avez prédécoupée. Donc, gardez un peu de coriandre pour la fin pour mettre par-dessus. Et enfin, nous allons positionner le poulet. Donc, vous pouvez prendre un demi-poulet fermier selon le nombre de personnes que vous êtes à la maison. Alors une fois que votre tagine a bien mariné, nous allons mettre les olives par-dessus. Ainsi que les rondelles de citron que vous aurez prédécoupées. Alors l'idéal c'est d'avoir du citron confit, c'est plus sucré. Et enfin, vous ajoutez le reste de coriandre que je vous avais demandé de laisser. On va mettre un petit peu de poivre. Une petite pincée de sel. Et vous laissez finaliser la cuisson à peu près 20 minutes. Et voici le résultat, donc le tagine est cuit, donc il est prêt à être dégusté entre amis, entre familles. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et pourquoi pas me poster également vos réalisations. À bientôt.